Hey Matt, j'ai participé à une loterie télévisée hier et regarde ce que j'ai gagné. Une cafetière imprimante qui fait radio. Modèle unique. Modèle expérimental plutôt. Elle est débranchée. Tu ne l'utilises pas? Non, j'ai déjà une cafetière, une imprimante et une radio qui fait des capsuleurs. Mais c'est pas grave, je vais la mettre dans un coin. Ça pourra servir un jour. Bref, l'allée juste a terminé l'autopsie cette nuit. Tu devrais bientôt recevoir le rapport. Sauvegarde en cours. Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue dans la suite. Et oui, la suite de Criminologie, ce jeu français. Avec la participation de Benoît Socal, Wildland Production, je ne vous ai pas assez parlé de cette personne. Dans l'épisode précédent, Matt Simons a rejoint l'équipe criminelle et scientifique de la police. Sa première affaire était donc de résoudre un simple suicide, en quelque sorte celui d'un meurtre. Mais les éléments ne correspondent pas. En effet, le suspect est mort. Stephen Connor aurait tué sa femme. Mais les indices ramassés et le témoignage de Monsieur Shima attestent qu'il n'y a eu qu'un seul coup de feu et une seule balle a été retrouvée. Est-ce vraiment un suicide? Ou bien les deux personnes ont-elles été tuées à des endroits différents, à des moments différents? On ne sait pas, notre but étant de le résoudre. Nous allons donc continuer avec cette deuxième partie. Et j'ai dû refaire la première partie parce que une petite erreur avec Endless Zoomer, c'est que contrairement à Desmond où ça fait des save states fixes, Endless Zoomer fait des save states en fonction des sauvegardes que vous faites dans le jeu. C'est pas super incroyable. Inspecteur Simons, veuillez trouver en pièce jointe les rapports d'analyse. Et donc du coup j'ai dû tout recommencer et je suis remonté à 150 en points. Voilà, vous le savez maintenant. Alors, Stephen Connor est mort d'hémorragie vers 19h20. La blessure située au niveau de la tête provoquée par un 9mm, la balle est restée dans le crâne. Ah! Ça expliquerait pourquoi on n'a pas trouvé de seconde balle. Très bien. Stephen Connor est mort vers 20h30. Ah! Ah oui, en effet, il y a un sacré écart. Des suites d'une blessure à poitrine causée par un tir de 9mm, la balle a traversé le corps en pulvérisant la colonne vertébrale. Aïe! Ça pique. La balle est restée dans la tête? C'est étrange. Stephen veut mourir. Il prend son arme, la colle contre sa tempe et appuie sur la gâchette. Un tir à bout portant avec une telle puissance, la balle devrait logiquement traverser la boîte crânienne et ressortir. Alors si la balle qui a tué Stephen ne se trouve encore dans son crâne, c'est qu'elle n'a peut-être pas été tirée à bout portant? D'autant qu'il n'y a pas de trace de poudre sur la tête de Stephen. Et l'arme qui a tué Stephen est encore dans sa main. Il ne s'est donc pas suicidé. Enfin, une nouvelle piste? Non, c'est assez consistant. Ce n'est pas assez consistant. Nous devons en apprendre davantage. Très bien. Que me proposes-tu? Voilà notre bureau. Ouais, non, le bureau, je connais, c'est bon, tais-toi. Donc, je vais d'abord étudier les indices que je possède. Alors, je récupère... Non, pas ça. Alors, est-ce que... Oui. Ah bah tiens, la balle. Ça doit être la balle récupérée dans la tête de Stephen. Toucher les flashs. Oui. Moi, ça m'amuse ce genre de jeu. Moi, je prends du plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir. Oui, à chaque fois que nous recommençons une partie d'épisode, notre barre redescend à 100. Ou 120, je ne sais plus. Et donc, j'ai une balle. Non. Trop gros. Beaucoup trop gros. C'est la même balle. 7mm aussi. Voyons. Ah, le jeu décède des erreurs. Peut-être que vous l'avez à la maison et que vous êtes en train de m'insulter. Possible. Possible, même très possible. Ouais, j'ai un peu de mal sur celui-là. J'ai même beaucoup de mal. C'est un peu peur tout ça. Avoir autant de mal sur un truc simple. Ah voilà. Non. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah voilà. Non. Attendez, comment ça se fait que je le trouve pas là? C'est quoi cette arnaque?
celui-là, ça fait une espèce de creuse, pas ça. Là, c'est tout petit, non. Là, il y a une barre qui vole bizarrement, non. Ah, c'était un piège! C'était un piège! Ah ah, alors ça, c'est un cas. Je ne me souvenais pas que c'était possible. Les traits sur la balle ne... Oula, attendez, je le refais. Les traits sur la balle qui a tué Steven ne correspondent pas à celle de la balle qui a tué Diana. Diane. Ce qui signifie que la balle qui a tué l'inspecteur Connor n'a pas été tirée par l'arme qui a servi au meurtre. Oui, tu viens de tuer le trépète. Mais il n'y avait qu'une seule arme à feu dans l'appartement. Une autre arme à feu est impliquée dans cette affaire et nous ne l'avons pas retrouvée. Voilà une preuve décisive. Notre hypothèse initiale du suicide ne tient plus la route. Il faut prévenir la commissaire. Oui, mais avant, je vais faire une sauvegarde sur cet autre emplacement de sauvegarde. Au cas où. C'est vraiment au cas où. Je vais faire beaucoup de sauvegardes maintenant. Pour éviter d'avoir tout me retaper. Bonjour, commissaire. On a du neuf. Steven n'a pas pu se suicider. C'est un autre meurtre. Un meurtre? C'est un revirement un peu brutal, comme le titre de l'épisode, MDR. Comment pouvez-vous en être sûr? Nous avons ce que vous attendiez, un élément déterminant. Ce que j'attends toujours, ce sont les images de vidéosurveillance. J'aurai deux mois à lire à ces agents incompétents qui pratiquent la rétention d'indices sur mes enquêtes. Montrez-moi donc ce que vous avez trouvé depuis le dernier rapport. Quelles nouvelles informations avez-vous concernant la mort de Steven? Et bah la balle. On voit bien que la balle n'est pas pareille. Merde. Ah oui. Évidemment, faut présenter l'autopsie. Bien, on a de nombreux nouveaux éléments ici. Et avez-vous de nouvelles informations concernant la mort de Diane Connor? La balle a traversé la poitrine, provoquant la mort sur le cou. Les rapports d'autopsie révèlent un point étrange dans la mort du couple. L'heure de leur mort, surtout. Une heure s'est écoulée entre la mort de Steven et celle de Diane. Curieux s'il s'agit d'un suicide. À ce propos, vous m'avez dit pouvoir invalider la thèse du suicide? Bah oui, est-ce que je t'ai présenté en premier, connasse? Alors c'est ça le fameux retournement que je craignais. Il y a deux pistolets de 9 mm impliqués dans cette affaire et pour l'instant votre rapport n'en mentionne qu'un. Une deuxième arme introuvable ne signifie qu'une chose. Une autre personne est impliquée et le coupable est en liberté. Je ne tolérerai pas qu'un meurtrier court dans les rues avec le sang d'un de mes inspecteurs sur les mains. Reprenez l'enquête et ramenez-moi l'assassin qui est derrière ces homicides. Tu te téléphones? Commissaire Malone à l'appareil. Oui? Les vidéos de la caméra? Merci agent Ramon. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour les envoyer? Si vous n'avez pas d'autres excuses pour ce retard, vous aurez de mes nouvelles. C'est ça de prendre des bimbos sans cervelle pour assurer le maintien de l'ordre. Sans ces serviettes peut-être, mais pas sans qualité. Enfin, des nouvelles de vidéo tant attendues. L'agent Ramon nous a gracieusement envoyé un extrait de la vidéo. Voyez ça au scanner, vous trouverez sûrement de nouveaux éléments. Oula. Donc, le scanner, mais d'abord je bois un peu de café. Parce que parler c'est bien, mais la voix asséchée... C'est compliqué. Alors, glissez le cadran au ciblage sur un endroit suspect. Sur cette tête de cul. Ah oui. Surtout qu'il avait l'air blessé. Cette silhouette qui sort de l'appartement, elle ne correspond ni à Steven, ni à Diane, ni à Hideoshima. Je ne peux pas croire qu'il aurait tenu une telle arme de toute façon. Le voilà, notre principal suspect. Il a une démarche étrange. Quand est-ce qu'il est entré dans l'appartement? Son arrivée dans l'appartement pose problème. Selon Tréchon, la porte n'avait pas de trace d'effraction et il n'est pas passé par là. Je vois bien une autre entrée. Tu penses à la fenêtre? Elle est à plus de 15 mètres du sol. Je regarde dans la base, nous en saurons peut-être davantage sur lui. Photo du suspect. Oh là là, incroyable. Imaginez-vous jouer ça sur DS. Bon, c'est bizarre, mais on est sur quelque chose d'un... Ah, bonjour monsieur. Alors, recherchons.
Bon, je pense que c'est facile, hein. Voilà. Quoique, je sais pas s'il a des cheveux. Mais il ressemble plus à cette gueule-là, je pense. Je peux pas zoomer. Ah, je... Non, je ne peux pas zoomer. Je pense que c'est lui. Admettons. Trevor Hawkins. Ok. Notre suspect dans le casier judiciaire, il s'appelle Trevor Hawkins. Quel délit a-t-il commis? Regarde ça tout de suite. Matt, y a comme un souci. Et c'est la fin, c'était petit mais c'était rapide, du coup merci de l'avoir suivi. Je vous propose de continuer ça dans le prochain épisode. N'oubliez pas, like, commentaire, abonnement, tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie avec un épisode qui sera plus long. Promis.